Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Esther Bat Emé. Il y a une halakha super importante qui est très grave, il faut bien la comprendre et bien la pratiquer. Et il y a beaucoup de rabbanim, même Saradim, qui se trompent à ce sujet-là. Et le rabbin Son Abba Shaoul, et le rabbin Yosef, et tous les grands poskim ont tranché l'halakha comme la coutume, comme dit le rabbin Rida, qui a une coutume qui date déjà 3-4 siècles en Israël, qui a été entérinée par les plus grands sages d'Israël de l'époque, est la suivante. Les célibataires, hommes ou femmes, qui sont en âge de se marier, donc 17-18 ans, pas moins. Célibataires, même 70 ans, 80 ans, s'il est prêt à se marier, il est concerné par cette halakha. Qui viennent en Israël, font un jour. Je répète, tous les célibataires qui sont en âge de se marier, hommes ou femmes, quand ils viennent en Israël, dès qu'ils habitent à l'étranger toute l'année, eh bien qu'ils viennent juste pour la fête. Certains disent non, il faut qu'ils viennent 3-4 mois, 6 mois, 1 an, c'est faux. J'ai demandé ce Shabbat-là à le Rav David Yosef, le fils du Rav David Yosef, quel est l'avis de son père. Il m'a dit, c'est clair, même maintenant, il a le billet aller-retour, il vient juste pour la fête, il fait un jour de célibataire. Maintenant, s'il dit, j'aimerais bien rester, mais je peux pas parce que je dépends de mes parents. Et mes parents sont pas d'accord que je reste. Dans ce cas-là, il faut faire une opération supplémentaire, lui dire comme ça. Si on te proposait, théoriquement, si on te proposait maintenant un chidour, une fille, elle a eu un shamaïm, des bonnes midotes, en plus, elle a de l'argent, en plus, elle est belle. D'accord? Le top! Le top! Et tu la vois, tu dis, c'est elle. Tout ça est théoriquement, hein. Mais, elle te dit, tu veux te marier avec moi? Pas le problème. Mais on reste en Israël. Qu'est-ce que tu fais? Si tu dis, je reste, tu fais un jour. Si tu dis, je ne sais pas, mon père, il y a mon travail, mes études, il y a mon père, il sera pas content. Si tu dis, je ne sais pas, tu fais un jour. Si, comme un crétin, dit le Rav Yosef, d'accord, tu dis, tu es attaché comme avec un cordon ombilical à ton père, à ta mère, moi-même, on propose maintenant la plus belle femme du monde, la meilleure Irat Shamay Sarai, mais nous, dans tous les cas, je rentre à l'étranger, alors dit le Rav Yosef, ça sera ta punition, tu feras deux jours. D'accord? Celui qui dépend pas de ses parents, de toute façon, il fait un jour, il n'y a même pas de discussion. Celui qui dépend de ses parents, alors on lui pose cette question-là. Et s'il dit, c'est certain que je rentre, seulement dans ce cas-là, il fait deux jours. S'il dit, je ne sais pas, ou à toute autre raison, il dit, je reste en Israël parce que c'est extraordinaire, tout ça, on parle hypothétiquement, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, il fait un jour en Israël. On a eu des cas, des gens qui étaient déjà fiancés. Leur fiancé est à l'étranger. Alors, il va pas lâcher sa fiancée pour une belle fille qui est ici en Israël. En taille, il dit, non, moi, c'est terminé, je suis déjà casé, même on propose la plus belle femme du monde. Terminé, je suis casé, dans ce cas-là, il fera deux jours. On parle de quelqu'un qui peut accepter de trouver un chidour chrétien en terre d'Israël. Dans ce cas-là, il fait un jour. S'il ne dépend pas des parents, même pas besoin de lui poser la question. De facto, il fait un jour. À moins que, comme j'ai dit, il est déjà marié ou fiancé ou pas en âge de se marier. 17-18 ans. Moins 17-18 ans. S'il dépend de ses parents, alors on lui pose la question. Si on te propose une fille, etc., comme j'ai dit auparavant, dans ce cas-là, seulement s'il dit « je rentre en France dans tous les cas », il fait deux jours. Sinon, il fait un jour. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.